les discussions se multiplient concernant la tournée de la Star Academy. Alors que les honoraires présumés modestes des élèves suscitent la controverse, Julien a souligné le rythme éprouvant des concerts. Après une expérience aussi intense que celle de la Star Academy, il est difficile d'enchaîner avec une tournée. Plus de 75 représentations en 4 mois, c'est tout simplement vertigineux. Physiquement, cela exige énormément d'efforts. Il y a quelques jours, Djibril a également fait une déclaration remarquée. Sur sa page Instagram, l'artiste a exprimé avoir été victime de discrimination tout au long de son expérience. Toutes les artistes ne bénéficient pas du même traitement, a-t-il déclaré, 2 jours après le grand concert à Bercy. Je n'ai jamais ressenti ni respect en tant que personne ni en tant qu'artiste. La vérité est que je n'ai jamais eu l'opportunité ni la reconnaissance pour démontrer pleinement mes capacités avant cette tournée. Jamais auparavant je n'avais eu un environnement où je pouvais m'épanouir aussi librement. Face à ce message inattendu, Djibril a reçu le soutien de Candice et Axel, ce dernier promettant également de divulguer la vérité au moment opportun. Axel a ajouté qu'il soutenait pleinement Djibril, tout comme Candice. Candice a probablement vécu des expériences similaires, à mon avis. En tout cas, je ne peux que les soutenir et leur apporter mon soutien, a déclaré l'artiste de 24 ans, exprimant son désir d'être aux côtés de ses camarades. Et lorsque le moment sera venu où ils souhaiteront s'exprimer davantage, je serai là pour les soutenir et partager ce que j'ai personnellement observé, etc. pour l'instant. Ce moment n'est pas encore arrivé, mais s'ils veulent explorer plus en profondeur leurs sentiments et expériences vécues, etc. Axel a également révélé qu'il avait lui aussi été défavorisé durant cette aventure.